L'Ay est un duo fraîchement créé, s'est installé temporairement pas très loin du célèbre lac du Der, pour faire partager leurs talents. C'est avec une grande joie qu'elles découvrent le territoire, ainsi que la belle église de Saint-Laurent. Cette église, du coup, elle appartient à l'organisme Seine-Grand Lac, qui est un organisme public, et qui a fait un appel à résidence, un appel à candidature, pour donc offrir une résidence à des artistes dans cette église. Et donc on a répondu à l'appel, on a été sélectionnés pour cet appel. Et donc on a aujourd'hui 2 mois de résidence dans cette église pour faire vivre le lieu et rencontrer des gens sur le territoire, voilà, mener quelques actions culturelles et en même temps développer notre projet artistique de création. Un lieu qui colle très bien avec leur art, qui n'est d'autre que du chant polyphonique. Ceci demande une technique pointilleuse que toutes deux maîtrisent parfaitement. Le principe, c'est de faire des accords avec les notes, mais qu'avec les voix. Donc c'est-à-dire que sur un chant, sur les mêmes paroles, il y a des mélodies différentes qui se répondent pour former des harmonies. Quand on entend ce terme, on pense tout de suite à une chorale, parce que souvent, il y a plusieurs voix qui sont tenues par plusieurs personnes, mais nous, donc dans notre duo Lay, on a décidé de faire du chant polyphonique, mais en réduisant au maximum en épurant en fait la notion même de chant polyphonique, puisque c'est vraiment le minimum possible imaginable, c'est 2 voix qui tiennent toutes les deux 2 lignes mélodiques différentes. Le duo Lay reste à résidence jusqu'à fin octobre. Ainsi, pour clôturer leur passage, un concert de restitution aura lieu le samedi 29 octobre à l'église Saint-Laurent.